Salut tout le monde, c'est Maxence, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 37 de l'aventure Bloxroot. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va tout simplement continuer à XP parce que là franchement, il ne reste pas beaucoup de niveaux pour atteindre le niveau max. Alors du coup, on va XP les niveaux et aussi upgrade la Cursed Dual Katana donc pour essayer de déjà la mettre au niveau max, ça peut être vachement cool. Mais aussi surtout débloquer les deux compétences, comme ça on va un petit peu avoir à quoi ça ressemble. Et j'ai encore aussi du coup les griffes de dragon à XP, comme ça au moins je les monte niveau 400. Et en vrai, je pense que ça devrait être bon. Après on va faire peut-être un petit peu des élites, on va faire aussi les boss auxquels j'ai pas encore leur équipement. Enfin bref, en gros on va faire pas mal de trucs, donc ça va être plutôt cool. Du coup on va commencer la vidéo par faire un petit random comme d'habitude. Donc hop, on va aller le prendre s'il veut bien marcher. Ok, super. Hop, acheter et ok, c'est pas mal. J'ai eu un free bien pourri comme d'habitude. Et du coup on va pouvoir le store parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai acheté des stores en plus. Comme ça au moins je vais pouvoir les garder et pour refaire plus de donjons, enfin de raids. Parce que c'est vrai que là des raids ça fait quand même un bon moment quand même que j'en ai pas fait. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je les farme un coup. Mais c'est pas pour tout de suite, on va... parce qu'en vrai là les fragments ils me servent pas à grand chose. C'est vrai que là en vrai peut-être pour acheter du coup de nouveaux styles de combat ça peut être intéressant. Mais bon ça sera pas pour maintenant, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à XP les gars. Hop, du coup on est arrivé sur la prochaine île, donc du coup c'est celui-là donc qui fait deux quêtes, les fabricants de cookies. Et le garde sucré, ok, le garde sucré, c'est... Non, c'est pas un boss, ouais, ok. Parce que je crois sur cette île, il n'y a pas de boss. Enfin, le boss, c'est Katakuri, mais il faut un God Calice et tout. Donc, c'est pour ça qu'on va faire des élites aujourd'hui. Et du coup, aussi, j'ai pensé à upgrade mes Cursed Dual Katana. Parce qu'en vrai, avec le forgeron, comme ça, au moins, elle aura 7% de dégâts en plus. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc, est-ce que c'est eux les prochains? Ouais, c'est bien eux. Nickel, hop, du coup, on va l'upgrade. Ça va être ses premiers niveaux là. J'ai même pas passé un niveau avec la CDK, c'est abusé. Par contre, eux, c'est bien parce qu'ils sont tous regroupés, ça c'est incroyable. Hop, voilà, parfait. Nice. Ok, il y en a 7. Bon, c'est un petit peu dommage, j'aurais pu... ils auraient pu en mettre au moins un en plus, quoi. Comme ça m'aurait fait gagner du temps. Bon, bah du coup, on va attendre qu'ils respawnent. Hop, voilà, du coup, on va tous les reprendre. Comme ça, au moins, ça me fait un peu plus de thunes. Voilà. Allez, allez, venez tous ici, nickel. Oula, par contre, on va se calmer, tac. Et voilà, parfait. Tac, et du coup, on va upgrade encore en mêlée, hein, parce que franchement, la mêlée, c'est quand même plutôt important. Et du coup, je suis niveau 136, ok, bon, en vrai, franchement, on se rapproche quand même assez vite de la première compétence, donc on va reprendre encore une fois la quête. La prochaine, c'est combien? Ça doit être, à mon avis, 2225, ouais, comme d'habitude. Hop, donc à mon avis, je pense que dans cette vidéo, je vais passer à peu près niveau... Je dirais peut-être 2300. Ouais, 2300, 2325, je pense. Bon, du coup, ce qui est plutôt pas mal, comme ça, au moins, là, franchement, ouais, je me rapproche quand même plutôt rapidement du level max. Hop, voilà, on va tous les enchaîner. Tac. Bon, après, quand je serai level max, hein, je continuerai les vidéos, parce que c'est vrai que je sais pas si j'avais dit dans une de mes vidéos comme quoi j'allais peut-être arrêter, mais en vrai, non, il y a quand même beaucoup de choses à faire sur Bloxroot. J'ai des petits projets. Franchement, bon, je vous dis pas ce que je vais faire, hein, mais franchement, j'ai plein d'idées. Donc, il y a de grandes chances que je continue l'aventure Bloxroot, hein, de toute manière, parce que franchement, il y a des fruits que j'ai jamais découvert de toute ma vie. Par exemple, franchement, un fruit que j'ai jamais utilisé, bah, Smoke. Je l'ai jamais utilisé. Noir. Bon, je sais même pas comment il s'appelle. Enfin, bref, lui, je l'ai pas utilisé non plus. J'ai jamais utilisé non plus sable. Franchement, c'est que des fruits que j'ai jamais utilisé. Donc, ça peut être sympa d'en faire des vidéos là-dessus. Hop, voilà. On va en garder. C'est vrai qu'en vrai, je suis bête. J'aurais dû en garder comme ça au moins. Hop, ça ira encore plus vite pour farm, je pense. Tac. Et voilà, nickel. Bon, bah, hop, on va remettre tout ça en mêlée comme d'habitude. Et on va continuer à XP tranquillement. Hop, et voilà, nickel. Bon bah les gars, comme d'habitude, je vais continuer à XP et une fois que j'ai atteint la prochaine quête, je vous reprends les gars. Les gars, j'ai débloqué la première compétence, du coup c'est les tornades dévastatrices, donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va prendre ces cobayes là, hop, du coup comme ça au moins je continue la quête tranquillement. Hop, allez c'est parti, si on... Oh, incroyable. Oh, bah attendez, elle est trop stylée la technique. Attendez, j'ai envie de la relancer là, attendez, hop, on va essayer de garder un petit peu de PV, voilà. On va tous les tuer avec cette technique, hop. Oh, bah elle est trop stylée en vrai. Ah ouais. Oh, classe de fou. Oh, franchement, je sais même pas si j'ai déjà vu quelqu'un jouer la CDK devant moi. Je m'en rappelle même plus.
Mais franchement, elle est archi stylée, la technique. Waouh. En vrai, pas mal. Bon, bah, du coup, je suis quand même assez pressé du coup de découvrir la deuxième compétence. Parce que franchement, déjà, la première, elle claque. Alors, la deuxième, laisse tomber, je pense. Hein. Elle doit être incroyablement belle. Bon, bah, du coup, les gars, je vais continuer à XP. Je vous reprends dès que j'ai soit atteint la deuxième compétence ou la prochaine quête. Donc, à tout de suite, les gars. Ok les gars, du coup là je viens de voir qu'il y avait un fruit qui avait spawn et encore une fois j'ai de la chance, le fruit il spawn sur mon île, c'est pas la première fois que ça m'arrive et là franchement bah, c'est plutôt cool, hein. Ça m'évite d'aller trop loin. Enfin attendez, je pense que c'est sur mon île, ça peut pas être sur une autre île je pense. Ouais non, en vrai 200 mètres, enfin 300 mètres c'est obligé que ça soit sur mon île. Hop, du coup on va essayer d'aller voir, mais attendez, mais il est où en fait? Ah bah non attendez, il est où? What? Bah attendez, je comprends rien là. Là-bas, ça descend. Ah, à mon avis, non, c'est pas mon île. Ça doit être une juste à côté de la mienne, je pense. Ouais, il y a moyen que ça soit ça. Je pense que c'est pas la mienne, c'est celle juste à côté. Ouais, ok. Ça doit être... Ouais, c'est celle-là. Ok. Ou peut-être celle-là. Ok, ouais, non, c'est là-bas. C'est le truc de Père Noël, là. Franchement, d'ailleurs, cette île, j'y suis jamais allé. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Enfin, je crois que j'y suis peut-être déjà allé une fois, mais j'ai déjà oublié ce qu'il y avait dedans. Il y a quoi? Ok, du coup, il y a des vendeurs de bateaux. Ici, il y a un spawn. Mais on y fait quoi là-dedans? What? Il y a un quête. La Candy Cane Give... What? Veuillez sélectionner Candy Pirate et Snow Démon. Oh, bah attendez, je l'ai jamais fait. Ah ouais, d'accord. Et du coup, on les échange contre quelque chose? Ah, là-bas, je crois qu'il y a un PNJ. Ah non, même pas. Bon, je sais pas. Franchement, c'est bizarre. J'arrive pas à comprendre c'est quoi cette quête. Bon, du coup, le fruit, il a 28 mètres. Il doit être là-bas à côté. Ici, 10 mètres. Ok, il est derrière. Il est bleu. Du coup, ouais, j'avais vu comme quoi il y avait un commentaire. Enfin, il y avait un commentaire qui me disait que les fruits, du coup, ouais, ils étaient. Enfin, c'était des fruits beaucoup plus rares qui étaient dans les œufs. Donc là, on va voir ce que ça va me donner. Et. Ok, bon, bah, le mec, il a complètement mytho. Bon, bah, du coup, j'ai eu kilo. Bon, c'est pas grave, ça me fera un fruit à dépenser pour les raids. Bon, bah, c'est plutôt. Bon, c'est un petit peu de la merde, mais c'est quand même utile pour les raids. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, bah, du coup, les gars, je vais continuer à XP. Je vous reprends dès que j'ai atteint la prochaine quête. Let's go, du coup c'est bon, j'ai débloqué la nouvelle quête, donc ensuite on va devoir enchaîner les gardes sucrés, donc 13 300$ et 112 millions d'XP, c'est pas mal tout ça. Hop, on va mettre les points en mêlée et du coup les gardes à mon avis sont, ouais c'est bien ceux-là, yes, c'est bien ceux-là. Hop, il en faut 8, et d'ailleurs en vrai c'est vrai qu'à chaque fois là maintenant les quêtes c'est 8, il y en a plus ou il faut en tuer que 7? Ouais par contre là c'est un petit peu la merde parce qu'il y en a pas beaucoup. Ouais, il n'y en a que 5, même pas, attendez, là, j'en ai 4. Ouais, à chaque fois, le cinquième, il galère parce qu'il se bloque. Ah ouais, non, ça va être une galère, je pense, cette quête. Ah ouais. Ah ouais, non, en vrai, ça va être trop chaud. Mais c'est quand même bizarre, là, qu'il n'y en ait pas d'autres. Je pense, à mon avis, il spawn autre part, non? Peut-être là, au-dessus, je sais pas. Non, pas du tout. C'est bizarre, quand même. D'habitude, quand il y a des... Enfin, quand c'est une quête avec 8 mobs à tuer, il y en a tout le temps 6 ou 7, quoi. Mais là, franchement, 5, c'est vraiment pas beaucoup. Attends, on dirait qu'il y a un passage secret ici, mais non, il n'y a rien. Ok. Bon, bah, du coup, on va attendre qu'il spawn. C'est vrai qu'en vrai, sur cette île, les gens, ils spawnent très lentement. C'est abusé. C'est fou, quand même. Je sais pas, en vrai, je pense que je vais les faire un par un, comme ça, au moins, le temps que je finis l'autre, ils vont respawn et tout. Hop, ouais, en vrai, je vais faire comme ça. Tac, j'en tue un. Je fais celui-là. Tac. Hop, on enchaîne. Tac, tac, tac. Ouais, je pense en vrai, ça, c'est la meilleure technique. Comme ça, au moins, tu vois pas le temps passer. Hop, on va juste... Hop, reprendre la quête. Tac. Bon, en vrai, ça va. Ça m'a fait passer un petit niveau. C'est plutôt cool. Hop, les gardes sucrés. Voilà. Et du coup, là, ma maîtrise, elle a 289. Franchement, il me reste moins de 100 niveaux à passer pour pouvoir avoir la deuxième compétence. C'est plutôt pas mal. Mais ouais, c'est vrai que non, même en faisant cette technique-là, il spawn trop lentement. C'est abusé. Ah ouais, non, mais je vais mettre trop de temps à faire cette quête. Du coup, je sais pas c'est quoi le plus rentable. Je pense, à mon avis, je vais... Ouais, bah non, même pas en fait, parce que là-bas, il faut attendre qu'il spawn aussi pour finir la quête. Ah, ça, c'est vraiment dommage quand même que ça soit aussi long comme ça. Hop, voilà. Allez, meurs. Tac. Toi aussi, tu vas mourir. Allez, allez, allez. Voilà, nickel. Tac, tac, tac. Hop. Oh là là, en vrai ça va, mais bon, ouais, non, c'est vraiment long quand même, purée. On va juste tuer celui-là. Ouais, on va finir la quête et ensuite je pense qu'on va faire un petit élite. C'est vrai que là en vrai ça serait pas mal d'avoir le God Calice, comme ça au moins j'essaye de faire Katakuri. Après solo, je sais pas si je vais le gérer. Parce que c'est vrai que Katakuri il est quand même assez chaud là quand on y pense. Donc je pense qu'il va me poutrer. Hop, allez, il en manque plus que deux. En vrai c'est un petit peu long quand même. Ok, c'est bon, il est là.
Nickel. Allez, hop. Voilà, t'es mort. Et toi, en dernier. On va te lancer la petite technique. Voilà. C'est ça qu'on veut. Hop, petite épée. Non, par contre, tu vas te calmer. Wesh, il s'est barré trop loin. Ok. Wesh, il m'a mis une attaque alors qu'il était mort. Hop, voilà. Et en vrai, même en mêlée, là, j'ai bientôt le level max. Hein. Il me reste quoi 140... allez, 100... 122 niveaux à passer et je suis au max, non même pas 112 niveaux. Ouais, je sais plus calculer, mais franchement, il me reste plus grand chose. Hop, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer une petite quête pour tuer un élite. Du coup, c'est Urban et il a Floating Turtle. Ok, bon, bah en vrai, franchement, à chaque fois, c'est là-bas. On va essayer de récupérer les petits coffres en attendant que ma compétence, elle se recharge. Et en vrai, j'ai 23 millions. Et c'est pas mal en vrai. Hein. Et ça monte. En vrai, avec le double monnaie aussi, ça va super vite. Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Hop, on va juste prendre ces coffres-là. Voilà, nickel. Et je me suis fait au moins 10 000 en 30 secondes, même pas. Ok, donc on va aller au centre. Alors, est-ce qu'il est peut-être là? Alors, Urban, je sais même plus où est-ce qu'il spawn là, Urban. Bon, bah, je vais le trouver, les gars. Ok, c'est bon, du coup, je l'ai trouvé, il est juste là-bas. On va juste rééquiper Bouddha, parce que bon, c'est vrai que Bouddha, ce serait quand même plutôt pas mal pour le tuer. Hop, on va juste mettre la petite transformation, la petite CDK en version 50 mètres, parce que franchement, elle est énorme là comme ça. Hop, allez, on va le tuer, tac. Bam, bam, bam. Ok, wesh, j'en ai fait quoi de... Mais wesh, il est parti où? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il a vraiment pris... Enfin, il a pris tellement cher là avec ma compétence qu'il est parti à Tatooine, le mec. Hop, allez, voilà, tu meurs. Let's go et let's go. Non, j'ai pas eu le calice. Et j'ai eu 100 fragments et plutôt... ouais, en vrai, j'ai passé 2 niveaux, la limite. Eh, c'est pas mal, en vrai. Hop, ah non, un niveau, j'ai passé pas 2. Tac, voilà, parfait. Bon, bah du coup, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aussi refaire les boss du début. Enfin, surtout Pierre, parce que j'aimerais bien looter son petit casque. Et aussi Beau Pirate. Beau Pirate, il est juste là, donc on va essayer de le faire tout de suite. Mais Beau Pirate, c'est pour avoir son épée, parce que son épée, elle est quand même plutôt sympa, je pense, à avoir. Donc, bah, on se retrouve là-bas, les gars. Let's go, du coup, c'est bon, on va aller le tuer. Bon, en vrai, je pense que du coup, il va me défoncer comme d'habitude. Hein. De toute façon, on connaît la chanson. Tac, allez, mon ref. Ouais, non, en vrai, il fait toujours autant mal, hein. C'est abusé. En vrai, je sais pas ce que je pourrais équiper comme... Enfin, pour vous, c'est quoi le meilleur équipement du jeu? Dites-le moi dans les commentaires, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, ouais, la cape, elle est plutôt pas mal à garder. Mais je sais pas ce qui pourrait être encore mieux. Hop, allez, s'il te plaît, meurs. Tac, tac, tac. Oh, non, en vrai, c'est une galère, hein. Ça va, il a sa deuxième forme. Ah ouais, non, vrai, il est trop chaud. Hop, on va mettre le petit Haki. Tac, tac, tac. On va essayer de mettre aussi, hop, le petit... Le petit sens, hop. Voilà. Tac. Non, 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 non. Ah, purée, il va encore me tuer. C'est impossible à le one-shot, ce boss. Hein. C'est impossible, j'arrive pas... Non, mais j'arrive jamais à le one-shot. Hein. C'est... À chaque fois, il est obligé de me tuer. Bon, à mon avis, je pense qu'il me faut... Il me faut quelque chose de plus puissant. Enfin, je sais pas, mais c'est quand même assez chaud. Je sais pas si vous arrivez à le one-shot, vous, sans... Bah en vrai, je pense que c'est possible, hein. Il y en a beaucoup qui y arrivent. Mais le problème, c'est que je pense qu'il faut genre s'éloigner, revenir. Enfin, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. J'ai envie de le tuer assez rapidement. Hop. Du coup, on va le réenchaîner. Il lui reste plus grand-chose. On va juste rééquiper Bouddha. Tac. Allez, s'il te plaît. Oh là, qu'est-ce que c'est long, hein. Allez, hop, nickel. Allez, reviens ici. Viens prendre ton deuxième round, mon pote. Voilà. J'ai pas dit mon dernier mot. C'est toi qui vas mourir. Hop. La petite compétence et bam. Avec ça en plus, hop. Let's go. Et du coup, toujours pas looter l'arme, mais c'est abusé. Je vais jamais l'avoir, je pense. Hein. C'est un truc de dingue. Limite, j'ai plus de chance à looter un calice ou limite même l'essence de feu là que d'avoir cette l'arme du boss. Quoi. C'est un truc de fou. Elle est puissante ou quoi? C'est pour qu'elle soit aussi rare. Du coup, les gars... c'est vrai qu'il me reste encore quand même pas mal d'os à dépenser, là, ouais, j'en ai encore 1060, ah ouais, donc ça veut dire que je peux quand même encore le faire au moins deux fois, enfin, encore faire deux fois les 10 tentatives, mais ça pourrait être pas mal, parce que c'est vrai qu'en plus, je suis trop bête, j'ai fait spawn Reaper, et il m'a tué, mais sauf que je pouvais toujours revenir après pour le buter, pourquoi je l'ai pas fait, je suis vraiment trop débile, wesh. Du coup, bah, on va faire une chose, c'est essayer de le faire apparaître parce que lui, il loot une arme qui est hyper stylée. C'est l'arme la plus belle du jeu pour moi. Donc, c'est la faux. Je sais pas si vous l'avez, mais dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, si vous l'avez, moi, franchement, j'aimerais grave l'avoir. Hop, on va essayer de la looter. Tac, j'ai eu de l'argent. On s'en fout un petit peu. Encore de l'argent. Hop, ok. Bon, bah, sympa. Hein. Hop, des fragments. Ok, c'est cool.
Je préfère limite avoir des fragments que de l'argent, parce que l'argent, on s'en fout un petit peu. J'en ai trop facilement. Hop. Encore des fragments. Ok, bon, bah, c'est pas foufou. Tac. De l'argent, ok. Vas-y, s'il te plaît, donne-moi au moins le feu, là, s'il te plaît. Non, toujours pas. Hop. En vrai, je crois que l'essence de feu, elle est quand même très rare à avoir. Hein. J'ai vraiment eu énormément de chance, là, dans la vidéo précédente. Tac. Ok, ouais, là, je pense qu'à mon avis, c'était la dernière fois. Là, je peux plus le faire. Ok. Non, bah, j'ai eu un double XP. Oh, pendant 10 minutes, c'est sympa, ça. Ouais, non, d'accord. Ok, bon, bah, j'ai fini. Donc, il va falloir attendre 2 heures pour pouvoir le refaire. Bon, bah, du coup, ça sera sûrement dans la prochaine vidéo. Parce que, bon, dans 2 heures, moi, je pense que j'aurai fini ma vidéo. Donc, bah, ok. Bon, bah, c'est sympa. En plus, il m'a donné un petit double XP. Donc, avant de refaire les boss, je pense que je vais utiliser le double XP. Parce que, franchement, c'est quand même plutôt sympa. Donc, du coup, bah, je vais continuer les quêtes. Et dès que j'arrive à la prochaine quête, je vous reprends, les gars. Yes, c'est bon. Du coup, j'ai débloqué la nouvelle zone. Donc, du coup, les prochaines quêtes, elles sont... attendez, elles sont ici. Parce que c'est vrai que le PNJ, il est pas... Ouais. Ah, ok, d'accord, il est là-bas. Hop, du coup, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première quête. Hop, let's go. Et du coup, à mon avis, bon, les premiers mobs, ça doit être ceux-là. Hop, on va les tuer. Tac, tac, tac. Je sais pas s'il y en a plus bas. Non, je pense pas. Hop, ok, il n'y en a pas d'autres. Ok, il y en a 6 au total. Bon, ça va, c'est plutôt pas mal. Tac, j'espère qu'ils spawnent assez vite, ceux-là. Mais je pense pas. Voilà. Bon, bah, du coup, on va attendre qu'ils respawnent. Hop, voilà, du coup, ils ont respawn. On va pouvoir les prendre. Tac, tac. Hop, on va prendre tout le monde en même temps. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de décalage de spawn. Hop, allez, mourez tous. Tac. Oh, et ils sont relous avec leur technique, là. Tac, tac, tac. Allez, voilà. Nickel. Bon, du coup, avec mon double XP, ça va. Ça me fait quand même passer 2 petits niveaux. C'est plutôt sympa. Hop, du coup, on va enchaîner. On va la refaire. Hop, on va juste attendre qu'ils spawnent encore. Hop, du coup, ils ont spawn. On va pouvoir les tuer une deuxième fois. Hop, voilà. Allez, tu viens là, toi. Toi aussi. Allez, allez. Ouais, en vrai... ouais, ok, c'est bon. Je pensais qu'ils étaient trop lents, mais en vrai, ça va. Tac, allez, vous mourrez tous. Tac, 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 tac. Voilà, nickel. Du coup, hé, en vrai, bientôt ma deuxième compétence. C'est incroyable, ça. Ça va assez vite, quand même. Hop, allez, du coup, il y en a... plus que 2 à tuer et on a fini la quête. Après, il y a ceux-là, franchement, eux, ils sont juste à côté, c'est plutôt pas mal. Allez, s'il te plaît, tu vas spawn, mon ref. T'as, c'est long, en vrai. Hein. Voilà, c'est bon, ils ont spawn. Hop, on va les prendre encore une fois. Tac. Hop, en vrai, du coup, il va falloir que je passe niveau 2275. En vrai, ça va, je pense que ça va aller assez vite quand même. Tac, allez, on les tue. Voilà, c'est bon, du coup, j'ai passé mon petit niveau. Ça, c'est cool. Hop, j'ai gagné 3 niveaux. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, ouais. Oh, et en plus, wesh. Je suis vraiment pas loin du niveau max, là, en mêlée. C'est pas mal. Bon, du coup, en vrai, du coup, je pourrais mettre tout en défense une fois que je l'aurai passé. Du coup, c'est plutôt pas mal. Bon, bah, les gars, comme d'habitude, je vais continuer à XP. Et dès que j'atteins la prochaine quête, je vous reprends, les gars. Ok, bah, attendez, les gars. Il y a les petits pirates, là, qui attaquent le château. Du coup, je vais juste finir de tuer ceux-là. Hop, on finit la quête. Voilà. Et du coup, je vais aller faire l'événement. Hop, tac, super. Hop, et on va pouvoir se téléporter là-bas. Tac, on va prendre le petit portal. Parce que portal, franchement, c'est le meilleur free pour se déplacer. Tu vois, franchement, il est grave utile. Ah, mais ils sont déjà là, putain, mais ils vont trop vite. Attendez, hop, on rééquipe le petit Bouddha. En plus, ça va, ça, ils vont peut-être me faire XP ma CDK. Hop, voilà. Allez, en plus, il me reste 2 niveaux. Ça peut être sympa, là, si vous me le faites passer... Si vous me faites passer les petits niveaux, ok, encore... Ouais, bah, toujours 2 niveaux, hein, ça a pas descendu. Tac, voilà. Allez, toi aussi, tu meurs. Bon, par contre, en vrai, il va falloir que j'XP à mort mon acquis d'observation, parce que je trouve il arrive pas à XP correctement. Pourtant, en vrai, je l'utilise souvent. Et j'ai regardé, j'ai fait à peu près 600 esquives, et j'ai toujours que 4 esquives sur moi, donc c'est vrai que c'est pas beaucoup. Hop, on va prendre le petit coffre, voilà. Allez, toi aussi, tu vas y passer. En plus, ça va, ils vont me faire passer mon niveau. Let's go! Du coup, j'ai débloqué ma nouvelle compétence. Vous savez quoi? Je vais attendre que le boss il spawn et l'utiliser sur lui. Allez, s'il te plaît, tu vas spawn, j'espère. Ok, c'est bon, il est là. Du coup, on avait la première technique qui était, hop, qui ressemblait à ça. Trop stylé. Et la deuxième qui ressemble à... Non! J'ai raté mon glitch! Non, pourquoi j'ai fait ça? Non, je suis trop bête, là. J'ai mis Bouddha. Hop, on va repasser dessus. Et du coup, la deuxième... T'es où, mec? Non, non, non. Non, il n'a pas des spawns. Il est où? Ah, j'ai trop eu peur. Oh. Oh. Oh, ça défonce.
Wesh, c'est abusé comment il déboîte là. Wesh, la deuxième technique, elle est incroyablement stylée. Et du coup, j'ai eu encore fruit de la pique. Mais vas-y, j'ai un abonnement avec ce fruit ou quoi? C'est pas possible. Mais c'est dingue. Bon bah du coup, on va le store. Hop, du coup, je l'ai combien de fois d'ailleurs? Je l'ai 3 fois. Putain, je l'ai looté en début de vidéo, plus encore une fois maintenant, c'est abusé. Eh d'ailleurs, j'ai 2 magmas, c'est plutôt cool. C'est plutôt nice. Bon, bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à XP et je vous reprends dès que j'ai débloqué la nouvelle quête, les gars. Bon bah les gars, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller refaire les premiers boss. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais... je suis trop bête. J'avais tué Beau Pirate, mais j'ai pas tué Pierre. Du coup, ouais, c'est vrai que je suis passé vite à autre chose. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tuer... je vais aller tuer Pierre pour pouvoir du coup essayer de looter son chapeau. Hop, en vrai je vais pas prendre la quête, j'ai un petit peu la flemme. On va aller directement le tuer, on va utiliser juste le style de combat. Hop, allez, viens là toi mon ref. Tac, tac, tac. Là maintenant, je vais le poutrer. Tac, voilà. Non par contre c'est chiant ça. Allez, tac, tac, tac. En vrai je sais pas si je peux le défoncer avec ça. Ouais, il y a moyen en vrai hein. Allez, la petite compétence spéciale. Boum. Oh lolo. Hey, il s'est fait projeter à 10 000 km le gaillard. Allez hop. J'ai la flemme de mettre Bouddha. Non mais vas-y. Tac. Allez on met ça. Tac tac tac. Oh, en vrai ouais j'avoue que Bouddha c'est quand même largement plus pété quand tu l'as. Hein. Hop. Ouais j'attendais mais en vrai c'est quand même chaud de se battre avec le style de combat et tout quand t'es... quand tu peux pas attaquer de loin. Allez hop, voilà nickel. Bon bah j'ai toujours rien looté. Ouais, j'ai l'impression que ce boss c'est impossible de looter son item hein. Il est archi rare ou quoi, c'est pas possible. Alors moins que je fais quelque chose de mal. Mais franchement ça fait je sais pas combien de fois j'essaye de l'avoir. Je l'ai toujours pas eu, c'est un petit peu abusé quand même. Bon bah du coup ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à XP parce que les autres boss, il y a rien d'intéressant à gagner. J'ai juste Beau Pirate et Pierre à essayer de looter. Sinon le reste ça m'intéresse pas forcément. Bon bah du coup je vais continuer à XP et je vous reprends dès que j'ai fini, dès que j'ai atteint la prochaine quête les gars. Ok c'est bon, du coup j'ai eu la prochaine quête. Donc là ça y est, en mêlée je suis niveau max, en épée je suis niveau max. Et du coup j'augmente la défense, voilà du coup hop on va prendre la deuxième quête. Donc c'est boulanger en chef, 14 500 $ et 117 millions d'XP, ça va c'est plutôt sympa. Hop, du coup, bah à mon avis, c'est cela. Hein. De toute façon, ça peut être personne d'autre. Hop, on va aller tous les prendre. Il y en a 6. Ok, c'est plutôt sympa. Hop. Ah, là, ça va. En vrai, ce que j'aime bien ici, c'est que... Ouais, par contre, leur compétence, elle est un petit peu relou, je pense. Ah, si, il y en a bien un qu'il faut qu'il soit toujours bloqué. C'est abusé. Ouais, j'attendais, mais ils ont failli mettre un one-shot intersidéral, là. C'est abusé. C'est abusé, là. Let's go. C'est bon, du coup, j'ai passé mon niveau 1300. Hop, on met... Oh, nickel, je suis niveau 2000 en défense. Hop, du coup, les prochaines quêtes, elles vont se passer... Elles vont se passer où, d'ailleurs? Je sais même pas. Je crois, à mon avis, c'est la toute dernière île du jeu, là. Ça doit être l'île des cacahuètes. Ouais, c'est bien ça. Ah, ouais. Bon, bah, du coup, prochaine vidéo, à mon avis, c'est level max. Ouais, c'est bien ça. Donc, ouais, bon, bah, je serai bien niveau max. Là, il me reste 150 niveaux. De toute façon, je vais les passer dans la prochaine vidéo. Du coup les gars, avant d'arrêter la vidéo, on va encore faire quelques petites choses. Alors ça fait un bon moment quand même que je suis en train de farmer. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir le PNJ qui échange les os contre des objets. Donc on va aller voir lui en premier temps. Bon bah les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Sur ce, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao tout le monde !